elle sait déjà où tu vas, elle t'attend en bordure de mer, quoi. Ah, si, c'est bon, j'ai le jeu. Et bonsoir. Du coup, on recommence une partie. Hein. Moi, je me refuse de jouer dans l'Empire Byzantin parce que je me réserve la grande partie pour l'Empire Byzantin dans... Ah, dans les aventuriers. Ah putain, ça va être incroyable. Hein. Ah ouais. Je commencerai bien sur un comté de culture grecque. Ouais, mais tu vas pas te faire chier. Enfin... Non, pas faire chier, mais genre, si on joue, ouais, non, en même temps, tu me diras le DLC, ça va. Oui, après moi j'ai du mal à me lasser de l'Empire Byzantin, donc c'est ouais, pas trop de problème non plus. Je ne juge pas les kinks. Ouais, ouais, suédois c'est pas mal en culture, si. Saxon c'est pas mal non plus. Et andalouse c'était pas mal. Vous avez des idées, vous, ou pas? J'ai absolument aucune idée. Je crois que je vais jouer dans le Saint-Empire, moi. Dans le Saint-Empire, ok. Ouais. Je crois que... Tu vas jouer les Flandres, je sens les Flandres. Oh non, c'est pas fait. Non? Ok. Par contre, je vais pas faire la même erreur à la dernière fois, hein. Je prends pas la bohème, hein. Donc, c'est Nura, hein. Pitié. La Bretagne. Bah franchement, si t'es un bonhomme, Abel, tu prends l'Autriche. L'Autriche. Elle est où, l'Autriche? Appliqué, honnête, parano... Ah putain, il est parano déjà. On commence bien. Ah. Pourquoi c'est dur à jouer, l'Autriche? Non, mais c'est stylé, ouais. L'Autriche. Ça, ouais, ça c'est le, stylé. Ça le royaume d'Autriche et tout, c'est stylé. L'archiduché? C'est très grand. Voilà, l'archiduc d'Autriche. Ouais, ouais. Sinon, le royaume de Bohème à côté, c'est bien sympa aussi, hein, parce qu'il y a des mines d'or. Non, le Seigneurat, non merci. La Hongrie. Il est toujours plus gros, quoi. Bon, on a un Autrichien, très bien. J'ai jamais joué l'Autriche, hein, donc ça va être découverte. Hein. C'est féodalité occidentale, oui. Hein, y a rien d'incroyable. Hein. Je vais voir un petit peu. Ah, il y a peut-être des events particuliers pour l'Autriche, je sais pas. Ouais. Je dis quoi, Popov? Et je réfléchis. C'est héritage équitable. C'est bien, héritage équitable. Notre confiance Babenberg vaut plus que l'argent. Oh, c'est beau! Je crois pas qu'elle est à Fribourg déjà dans ces 4 ans. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'il existe pas encore. Le chef, absolument. Je suis le chef de la dynastie, en plus d'être le chef de la maison. Bon, par contre, le paranoïaque, gain de stress plus 100%. Non, si, ils existent! Ah ouais? Attends, Arga ou. Attends. Ah, y'a pas la recherche? Trouver la province d'Arga dans la recherche. Argao. A-A-R-G-A-U. Argao. Oh, ça doit pas être bien loin, non? Ah, c'est à côté de la Sud. Ah, c'est Argovie. Genre, vraiment, ils sont de là-bas. Ah, c'est où? Oh, ouais, oh putain, Habsbourg. Putain, c'est ouf. Ici, là? C'est où? Ah, oui. C'est à côté de Berne. A-E-I-O-U. L'Autriche, c'est une acquisition après. Oui, je sais, mais je pensais pas qu'il venait de Suisse, quoi. Genre... Est-ce que c'est pas le moment de débuter la maison Habsbourg? En fait, la maison Habsbourg, si tu regardes, c'est vraiment des mecs qui commencent de rien du tout. Bah, après, comme beaucoup de familles, hein. Ouais, enfin... Non, enfin. Mais j'avoue, ils sont. J'avoue qu'ils sont bien tirés, oui. Mon épisode préféré, c'est quand le duc d'Autriche se met à affronter le roi de Hongrie. Non, le roi de Bohème. Ouais. Pour le contrôle de l'Empire. Oui, parce qu'il y a... Ouais, non, c'est plus tard, je crois, les Luxembourg qui vont dominer. Ouais.
Bon, y'a que moi qui choisis là. Bah moi je sais pas, moi en vrai j'attends de voir que ce que vous choisissez pour choisir. Je suis en pleine hésitation là. Ouais, je suis en train d'hésiter aussi en fait. Je pense que je vais prendre le comte de Naples. Quel homme. Par contre, paranoïaque, gain de stress 100% dès le début. Ouais, mais en vrai, ça va, le jeu est pas dur. Ça va. Généreux, compatissant et indulgent. Un brave homme. C'est chiant quand même au début. Ouais. Le moindre petit event et le mec qui propose de donner 300 boules. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est proportionnel à ta richesse. Des oui. Stress, donner 300, ça ira mieux. Généreux, j'aime pas trop. Non, moi, j'hésite entre ah, mais j'ai pas les croisades, je suis pas catholique. Et où ? Ça peut te convertir facilement en tant que comte de Naples. Ah ouais ? Oui. Je suis pas sûr, hein. Ta population est. Je crois que ta population est catholique. Ouais, je sais pas. Oh, un orthodoxe, hein, sans déconner. Non, non, c'est orthodoxe, hein. Bah, en vrai, je pense que. Après, faut faire gaffe à la poulie, hein, parce que. Genre, ils n'hésiteront pas à te casser la gueule, hein. Ça veut dire que Robert de Hauteville. Oh putain, en ce moment, je regarde une série YouTube sur les croisades là, et franchement. Oh là là, Bohémond et tout. Ah, Bohémond. Ils ont envoyé du rêve, ces salauds. Eh oui. Ah putain, moi j'hésite, je vais vous dire, hein, j'hésite entre le duc de Barcelone. Ouais. Faire un petit royaume méditerranéen ou la Géorgie. Barcelone ? Ouais. Ouais, moi je tenterais plus la Géorgie, hein, parce qu'on est pas vraiment souvent tenté de partir vers l'Est. Hein. Ah, Géorgie, j'ai joué 2-3 fois, je crois déjà, mais c'est très très dur, hein, Géorgie. très dur. Bah allez, on fait tous des trucs au couillu. Ah, du coup, je vais peut-être prendre le duc d'Apulie, hein. Franchement, tu verras. Ah, mais non, attends, si Popov est en Sicile, je vais plutôt aller vers le nord, moi, du coup. Ah, bah non, tu veux que je m'éloigne. Ah, non, pas du tout. Je vais faire un truc suédois ou danois. Dans Sardaigne, Popov. C'est catholique en vrai. Il y a la possibilité de créer un royaume, je trouve rigolo. Ah, mais c'est vrai que j'avais testé ça. Les Azatrues là. Ah, y'a ouais, je me rappelle, ouais, t'avais testé ça. Ouais. Et ça s'était très mal passé. Il y avait eu comme un petit acharnement des Anglais. Ouais, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Mal, ouf. Ouais. Les Suédois, j'ai droit. T'avais commencé à les convertir au fur et à mesure, hein. Tu t'en étais sorti. Hein. Je vais prendre le. Pas mal de révolte, ouais. Je crois que je vais prendre le roi de Suède. Je vais faire le chemin inverse. Roi de Suède. Hein ? Parce que je vois que j'arrive sous le roi de Géorgie. Ouais, mais alors, moi, roi de Géorgie, c'est roi, mais c'est. Voilà quoi. Ouais, c'est facile. C'est un petit peu la pute de la région, quoi. tu te. Oui, il y a une telle empereur, et puis oui, voilà. Il y a cette solution de facilité, mais j'aimerais éviter si possible. Ouais, sinon, je prends. Un petit duché tranquille, genre la. Je pensais qu'on allait compter sur toi pour faire des croisades. Genre la Normandie. Les croisades ça marche jamais. C'est vrai que ça marche pas souvent les croisades. Mais personne ne veut jouer la Bretagne ? Bah. Oh là, je viens de voir le nombre de fils qu'a le mec. Je veux faire le Breton. De Géorgie, il a 4 stats du coup. Est-ce que je fais le Breton ? Ah bah, tu peux. Oh, je me vassalise direct à la France, non, pour faire le Breton. En vrai, non, c'est possible. Je sais pas. Genre Adrien, il a souvent résisté. Ouais, j'ai pas envie de résister, ouais, il moi. Il mangeait la France à chaque fois que la France faisait la guerre à côté. Bon. Enfin, Adrien, c'est l'intendance, hein, à fond le pognon. Hein. D'accord, ouais, que moi, je suis martialité, moi. Bah, la martialité, c'est pas si dégueulasse, ça te permet quand même d'avoir du pognon aussi, hein, grâce au sénéchaux. Certes. Entre bien ces territoires. Mais le truc de Cagliari, ah oui, c'est la Sardaigne qui est là. Non, il y a William le bâtard. Hein. Ajaccio, vraiment, on peut pas. T'es
T'es dans un esprit très vacances là, très corse là. Non, je cherche en fait. Cherche, ok. Non, on peut pas jouer les républiques, non. Non, je vais rester comme ça. Encore. Ouais, mais un jour peut-être. Allez, hop, en hommage à Kazoul. Oh, c'est beau. Le duc. C'est un peu plus fun que ce qu'on voit d'habitude. Le duc Conan. Ah, de Bretagne. Non, c'est Conan. Elle dit Conan. Ah ouais, Conan, le barbare. Dis donc. T'es pas breton, toi. Si. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, moi, je suis prêt. Ouais. Let's go, c'est parti. Attention, crash. Non, le début, généralement... Ah, bon, a priori, je vais commencer par intendance pour lui. Ah putain, je suis en intrigue. Devoir. Je peux déjà choisir un héritage de la dynastie. D'habitude, je commence toujours par le sang, mais vu la position de la Géorgie, je me dis, je me demande si maison de guerrier serait pas mieux. Ah, je pense aussi. Héritage de la dynastie. T'as dit quoi? Regarde bien, hein, mais il y a de meilleurs choix à prendre. Ah bon? Bah, légitimité, c'est fort, mais en début. Alors, il y a un truc qui te permet un peu de facilement être accepté par les autres cultures, etc. Mais j'ai une gueule de multiculturel. Hein. C'est pas une question multiculturelle, c'est de faire accepter, c'est une gueule de multiculturel. Genre, oui, non, mais je sais, coutume, tolérance, curiosité, compréhension profonde de ce qui nous unit. Mais vraiment, je suis désolé, hein, mais ça m'envoie vraiment pas de rêve. Ok, ok. Ah, c'est un bâtard, il peut pas arrêter de titre mon fils. Ah, effectivement. Bah, faut que je me marie alors, hein. Pas le choix. Hein. Danemark ou Norvège? Attends, est-ce que j'ai pas. Ah si, je suis un électeur. Ah d'accord. Je suis un électeur. Je vais chercher Jeans. Nope. Y'en a pas. C'est nouveau ce triculturel, les loups du Caucase, non? Je connais pas. Amazon, y a pas. Intelligent, du coup. Ça va me faire perdre du prestige, tout ça. Je suis à 600. Ça fait quoi? Moins 300? Moins 200? D'alliance plutôt peut-être. Ah mais le deuxième il est ambitieux, ça marche pas trop. Ah pas peur. Je peux créer une distinction. Alors, vaut rien, c'est quoi? Non, vaut rien, j'aime pas trop. Maraudeur, j'aime pas trop non plus. Discipliné. Marier ma fille à un génie. Dommage qu'on s'en soit pas. On va aller chercher des chevaliers. Oh, rétablir le royaume de Cornouailles. Ouais, c'est stylé ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Oh, ça a l'air bien chiot quoi. Ok. Bon, bah, j'ai une génie à marier, mais elle a 3 ans quoi. Oh, elle est où? Non mais elle est chez moi. Elle est où? Elle est où? Oh, Emma. J'ai quoi comme région? No, piqué, archer, ok. Oh là là, mais j'ai tellement pourri à mon conseil. Oh, c'est loser. Ben, on peut négocier des alliances. Duc Thibaut de Champagne. Ouais. Bon, on va créer un régiment d'hommes d'armes. C'est quoi que j'ai? Mon gonou. Attends quoi? Mon neveu
neveu par alliance, le sultan Al-Muazzam Al-Arslan Chagri Begoglou. Comment ça, mon neveu par alliance? Alors, il est où? Géorgie, t'es où? Qui ça, ton neveu par alliance? Je vois pas, je comprends pas. Ah, c'est le sultan de l'Empire Seljoukide. Votre neveu par alliance? Mais comment c'est possible? Sultan? Je sais pas, et dans une de ses femmes secondaires doit être. Ah non, justement, c'est que des. Ah si, ma nièce! Ouais. Al-Muazzama Kiora Goranduch Kouchkivili. Elle est pas Seljoukide, hein? Ah, mais il veut pas t'allier à moi! Par Ah contre, moi je me fais un peu niquer parce que ma fille est déjà fiancée au prince Michael de l'Empire byzantin, mais j'ai pas d'alliance. Quoi. Je pense que tu te fais un peu niquer. Est-ce que j'ai un bâtiment spécial ici? Non, à part le bâtiment ducal. Pas l'air d'avoir grand chose comme bâtiment spéciaux dans ce coin. Dans l'économie, il y a quoi? Ouais, il y a Notre-Dame si j'ai Paris, ce qui n'arrivera pas. Stonehenge, Moi, les Canterbury. yens, du coup, je pourrais construire un bâtiment spécial dessus. Ah, il y a une mine d'or là-bas. Par contre, c'est quoi? Ça, c'est à moi. C'est où mes territoires à moi? Est-ce que vraiment, c'était ça? Ah, ouais, j'ai que deux comtés sur tous mes territoires. Je suis prêt, je pense. Être en titre, nouvelle partie en Bretagne. Et on commence en 1066. Oui, je suis prêt. Où le duché de Grasse? Ah bah c'est Constantinople. Ah oui, ok. Alors, mon patriarche pourrait m'accorder. Ah! Une revendication? Ah bah écoute, attends une petite guerre civile et hop, hein. Par contre, il te faut un certain paquet d'hommes pour prendre Constantinople. J'ai épousé une roturière. Ma légitimité a baissé d'un niveau. Impeccable. Une distinction. Je peux déclarer la guerre au roi Philippe. Pour quelle raison? Ah, pour la Normandie! Ce serait tellement drôle. Mais ça n'arrivera pas. Chevalier claqué du cul que j'ai, quoi. Mon plus puissant, il a 7. C'est bien. Moi, 10. C'est pas beaucoup plus. Est-ce que je peux créer une nouvelle distinction avec mon nouveau chevalier? Oh putain, ah, les événements qui me donnent du stress. Taille maximale des régiments de siège. Tacticien. Oh, tacticien. C'est bien tacticien. Et... Oh, il y a quoi? Il y a voyou. Y'a voyou! C'est bien voyou! Yep. Oh, voyou, probabilité d'emprisonner plus 25? Ouais! C'est ouais. Ouf! J'aime pas. Ah, moi je trouve ça ouf quoi! Ça t'apporte tellement de thunes! Mais y'a brave aussi! Et brave, j'aime bien aussi! Ouais, moi j'ai brave là! Du coup j'ai. Brave et voyou! Voyou, je trouve ça naze quoi! Brave et tacticien! Moi j'aime bien voyou! Mais pas comme première distinction! Et discipliné, mais je suis content. Ah. J'avoue, c'est bien. Première petite épidémie, la dysenterie boulonnaise. Impeccable. Ah,
Guitneux de Rieux a obtenu le trait et Cacesang. Arranger des fiançailles. En courtisan et la princesse de France. Ouais. Il est bizarre le roi de France. Hein. Il a marié sa sœur avec un vieux papy de ma famille de 75 ans. Hello Francus! Quel va être mon plan à court terme? Déjà, faut prendre des commandants. Ah oui, j'avoue, putain, j'avoue. Parce que j'ai vraiment envie de. Non, c'est pas bizarre, c'est l'ambiance de l'époque. On peut nommer un successeur à ma distinction. Edgal. Lui, il entend. Oh, il est bien lui. Recruter la cour. Oh, ça va me ruiner, recruter des bons chevaliers. Ah, je crois que le duc William le bâtard a débarqué. Oh, j'ai une graine de légende, les héritiers de David. J'ai des deux graines de légende. L'héritage d'Arthur Pendragon ou les héritiers de Vercingétorix. Pas mal, putain. Pas mal, hein. Pas mal. Ouais. Alors, ça donne à quoi? Du prestige. Oh, de la martialité. Il y en a un. Oh, la renommée. Oh, de la renommée. Il y en a un, il est full renommé, quoi. On peut pas fusionner les deux, là? Parce quoi, du coup, pour les répandre, ces légendes? Mon niveau de gloire doit être de 3 et plus 1. Et actuellement, mon niveau de gloire est 1, je crois. Établi, c'est 1. Non, c'est 2e. Okay. À partir de célèbre. Et le fils de mon frère. Bon, madame la duchesse, il me faut des héritiers. Allez, hop, hop, hop. Hein. La maison reine, la devise, c'est tenez bon. Est-ce que je m'entends bien, roi de France? Plutôt. Il est sous régence en même temps, roi de France. Ouais, 65, c'est trop cher, hein. Ça va. Trop cher. Déjà ? Ça dépend de la culture, ça, non ? Parce que, par exemple, en Espagne, je l'ai pas eu tout de suite quand j'ai fait ma petite Andalouse. Doris est nommé un médecin de la cour. La consomption. Ça n'a pas l'air d'être trop proche de chez moi. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? En Angleterre, ouais, ça sent fort la Normandie. Je peux aller faire mumuse. Oh, mais non, je sens que ça va attiser la colère du roi d'Angleterre. Oh, il est en train de se prendre une peignée là. Harold Godwinson.
qu'avant, avant William il gagnait moins souvent, mais là il gagne plus souvent. Voilà, il gagne, il écrase à chaque coup. Hein. Exiger un paiement à mon beau-frère. Ouais, vas-y. Donne-moi de la thune. Merci. Je peux construire quelque chose. Genre des fermes et des champs. J'ai un peu all-in dessus, j'ai plus beaucoup de cash, hein, mais bon. Royaume de Jure. Royaume de Bretagne. Un peu là les épidémies. La consommation à l'eau. Oh, le roi William a gagné ça alors. Étonnant. Ah, du coup. Ah mais après il est en guerre contre... Oui mais il a 9000 hommes quoi. C'est vrai. Ouais bon. Tu joues qui Popov là mais, la Sardaigne. Comment? Tu joues la Sardaigne. Oui. C'est beau. Oui. Ça va? Je suis en train de faire un duel là. Un duel? Et j'ai perdu. Ah, comme une merde. Ah. Ah, quoi que non, c'était pas moi. Attends, c'était pas moi. Pas moi. Ah. C'était un autre duel. T'as gagné ou pas moi? Oh, j'ai gagné! J'ai battu le contre. Duc Ernst. Ah, j'ai obtenu 105 ans de prestige, 120 gold, duel doublé pendant 5 ans. Waouh. Wow. Sacré moustache, hein, Caro. Oh, j'ai devenu propriétaire d'une armure. Je peux proposer un hôtel au roi William. Par contre, on s'en donne. Non. J'aime bien de toute façon, non pas trop. Bon. Oui, mais il va pas m'attaquer, il est gentil. C'est mon gentil voisin. Je vais voir la culture bretonne, ça donne quoi? Eh, pas mal, l'armure soldat mort ami, moins 17%. Ok. Ouest plus 7. Par contre, les factions formées contre le calendrier. En son de geste, c'est pas mal. Épée à embaucher. J'ai pas vu la couleur de mon pognon par contre. J'allais dans les cours mercenaires. Moi je suis une cour communautaire, du coup ça va pas. Peur, bon, ça c'est claqué au sol. Épée fraguerie, je sais pas. Ça a pas l'air ouf. Si je veux rajouter un truc. Genre, classiquement, seulement l'effort. 7000 de prestige. Je ne suis pas belliqueux. Parce que... Si je change... Ah oui, 20000 de prestige. Ah, stoïque, c'est pas mal en fait. Allez, Alan, il est brave. Un brave petit. Il servira très bien.
Ouais, les invités gratos, je prends. Surtout au début. J'ai assez galéré à l'enlever déjà. Bonne nuit. J'ai besoin. Je ne veux plus le voir. Je commence à être un peu chaud en presse là. Il va falloir chasser ou faire un truc. Bonne nuit. Allez, file. Méditer dans l'isolement. Oh, vas-y. Je vais méditer. Je vais méditer dans les collines. Il faut un maître caravanier. Ce sera lui. Ça va, le voyage est court. Mon voyage a été retardé de 6 mois. Bah, Franconie, c'est grand culturellement. Hein. Mais c'est plus. Non, non, pas vraiment, non. T'es un peu un intrus, quoi. Un voyage de 4 jours et il est retardé de 6 mois. C'est quand même magnifique. Mes voisins sont tous bavarois. Lui est swab. D'accord. La Bavière est de culture saxonne. Bizarre ça, non? Je sais pas. En tout cas, le bavarois, il est de culture saxonne. C'est le bordel, hein, culturellement. Je vais rester franconien. Et de toute façon, le pop, il s'accepte tous à peu près. Hein. Oui, il doit être à peu près accepté quand même. Bah, j'ai plutôt des bonnes relations avec mes voisins. Voilà, j'ai marié ma fille à un Ryurikid. Waouh, le prestige. Auquel? De Tchernigov, Ruthénie ou Novgorod? Ok, Periaslav. Ah oui, j'ai trouvé celui-là. Oui, c'est celui que j'ai pas cité parce qu'il me semblait plus petit que les autres. Mais... c'est un Ryurikid. Ma femme est enceinte. Oui. Oui. Vive les Bretons, vive les chaperons. Oui. Allez, je prie pour un intelligent. En légitimité. Bon, après là, on va dire que niveau conquête, c'est un petit peu mort pour l'instant. Du coup, on va faire du développement, quoi. J'ai un peu le même effet. Ouais. Ah bah, on est d'accord que Tortoli, ça t'appartenait pas. T'as blob ce que tu pouvais, et puis maintenant on peut attendre. Après, Non, c'est à moi. Donc non, c'est à lui. Je suis le truc de base. Ok, d'accord. Je pensais que t'avais juste Cagliari au début. Pour avoir le titre de duché, il faut qu'il ait deux trucs. Ouais. Mais après, le reste, les autres provinces, ça va, elles sont. Après, il est pas duc, il est juste comte, effectivement. Ça, je me suis trompé. Il faut que Casus Belli. Ah oui. Je vais avoir le premier, là, ça y est.
les méditer pour déstresser. Au final, j'ai gagné 40 de stress. Impeccable. On cherche autre chose, hein. Oh, c'est tellement cher, hein. Bon, allez, fais un héritier, là, puis après, je crois que Conan, il va les jeter dans la mer, hein. Ah. Eh bien, ma femme n'est plus enceinte. Aïe aïe aïe. Ben, c'est mon fils, mais on connaît pas sa mère, quoi. Ah. Ah. Alors ça, d'accord que la descendance de mon fils bâtard n'aura pas de droit d'héritage non plus, sur mes terres en tout cas. Je vais lui trouver quelqu'un de bien, et puis il ira vivre sa vie ailleurs. Oh. Oh, une Amazone. Amazone. Ouais. Il y a une fille Amazone. Ouais, c'est un bâtard né de mère inconnue. Et de père connu. Bon, allez. C'est à voter Amazone. Hop là. Elle a 7 ans de plus, mais bon, c'est un détail. Il se débrouillera. Oh, le roi Philippe de France, il n'a pas beaucoup armé, hein. J'ai quoi, moi, comme recommandation? Ah ouais, j'ai le duché de Normandie, mais bon, voilà. Ah, mais c'est parce que ma mère est morte que j'ai eu un coup de stress. D'accord. Il y en a un qui va mourir, je vais prendre 100 de stress, formidable. Ah, New York, c'est vraiment horrible. Cédrillard, Danemark. Il est toujours en guerre, hein. Et l'Écosse, elle est en guerre. La technique psychologique de Jarek pour minimiser l'importance d'un trait super dur. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. T'as la Sardaigne qui blob là. Ouais, ouais. Et ouais. Ah. Les revendications de ma mère. Comté de Touraine, comté de Sancerre. Ouais, ouais. Ça va se diviser. En plus, il n'y a que des garçons. Ah, c'est... ah oui, non, je le savais. Tu vois. Alors, oui. Oh, dis donc, Torchitor, il fait pas semblant. Hein. Torchitor, il a créé un duché. Bah, je sais pas, tu t'appelles Torchitor 3 de Cagliari. Je l'ai pas fait. Ah, je vais aller à un festin. Je sens que ce festin va bien se passer. Que je vais perdre beaucoup de stress. Bon, attends, du coup, j'ai pas vu. Un fils, deux, trois, quatre, cinq. Ah ouais, six fils, quoi. Aïe, aïe. Pression.
J'ai l'impression qu'on s'est chié à se manquer. Ah non, on danse bien. Je suis quatrième dans la ligne de succession de Saint-Empire. What? Ah ouais, parce que tu dois avoir un vote pour toi et ça suffit à être quatrième. Souvent, c'est ça. Vu que c'est une élection. Votez pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai un vote. Qui c'est qui a voté pour moi? Je vote pour toi. Le duc Gottfried de Basse-la-Tour... De Lotharmont. Mmh. La bonne, il vote pas. Mon duc a l'air de se faire bien chier à ce festin. Ah, c'est pas moi qui danse en tout cas, hein. C'est la teuf, mais c'est pas moi qui danse. Hein. Bon, il fait pour danser en armure comme ça, mais. Mon cousin Guilherme Mab Oannès de Penthièvre. Ouais. Et l'autre invité qui s'appelle De Rien de Léon. Quoi. Mais de rien. Mais de Léon. Mais de Léon. Allez, j'ai hâte. J'ai hâte que ça finisse, que ça commence. Alors, je me sens bien. Oh là, oh oui! Vas-y, je perds tout mon stress d'un coup, ça me va ça. Je valide. Parz. Formé contre le Kaiser, faction formée contre le Kaiser, faction formée contre le Kaiser. Ah mon dieu, il est pas très apprécié le Kaiser. Votre attention, je vous prie, c'était inconvenant ce que je fais, hein. Ça a l'air d'être la même chose. Votre attention, je vous prie. Allez, à présent je dois partir. Clore le festin. On me défie en combat, sauf que je n'ai rien à battre. Que toute ma suite le piétine. Oui, non, c'était Matoc. Après, je peux l'inviter à la cour maintenant que je l'ai piétiné. Et si je paye ses frais de voyage, il accepte. Allez, cette jockey, ils sont gros, c'est enculé. Et ouais. Oh, les Fakimid, ils sont déjà séparés. Ah bon? C'est Salah Adin. Ah oui. Les Bachandid et Ali. Allez, je vais prendre l'émirat. De l'émirat Ali. Je vais prendre l'émirat Azizid, moi. J'ai pas vu de quoi j'ai hérité là. T'as hérité d'un truc. Ah mais c'est ça, oui j'ai hérité de... Sein de la cour. Un sénéchal peut-être. Oh. Allez. Je vais nommer un sénéchal. Grand écuyer. Oh, mais j'ai pas besoin de me battre pour l'instant. Ouais. Oh là là, le roi de France, ça me tente. Hein. Il se débrouille pour plus avoir de soldats. Ah, mais il a plein de révoltes. La Bretagne, monsieur. Attaque 1300 hommes. Hein. Ouais, et puis c'est une qualité de merde en plus. Hein. J'ai pas l'habitude. Deuxième dans la ligne de succession de Saint-Empire. Ouais, allez. Bien sûr. Je suis pas d'accord. Votez Ernst. C'est bordel. Qui c'est qui vote pour moi tout à l'heure? Deuxième, quoi. Ah
Ah oui, il a perdu. Ah, mais. Il est claqué ce roi. Mon fils est le bienvenu. Ah bah non, 42. J'ai pas trop envie. Hein. Ciao. Hein. Mon armée n'est pas une pouponnière. Donc c'est pas toi. Oui, c'est pas moi. Bien compris, le comte Guy de Viennois. Lui là. Ah ouais. Ah, il est couillu le type, hein. Il est en guerre contre le roi de France. Hein. Force à lui, hein. Un jour, j'appuierai votre revendication sur le comté de Sancerre. Oh, mais t'as vu où c'est le comté de Sancerre, là? Ouais, mais on y fait du bon vin. C'est au milieu de la France. On y fera. Désolé, Berthe, hein, mais tu peux rentrer chez toi. Hein. Sacré Berthe. Est-ce que je fais des hospices? Forgeron, plutôt. Oh, un port. Allez, je fais un port. Ça vient pas vite, les enfants, quand même. Hein. La courtise ou je la séduis? Je la séduis. Ah, 35% de chance, c'est peut-être pour ça. Hein. Courtiser 0%. Impeccable. Oh le manche. Bon bah, c'est l'autre, hein. Ça va bien se passer. Hérité de ses terres à lui là. Non, même pas. Au duc de Provence et à je sais pas qui n'a. Le relou. C'est quoi cet immense machin Arezzo qui est bien moche hein. Royaume de Arezzo. Ah ouais. Vendre des tritres, ça m'intéresse pas des masses. Mais... Un royaume avec 600 soldats, je peux attaquer lui? Ah, j'ai pas de casus belli, dommage. Ah, William. Oh! Le terre va perdre? Ah non, il regagne des batailles. Là. Il était à moins 80%. Hein. Il va perdre, ils ont 6000 hommes contre 3000.
Attends, et du coup, ça, qu'est-ce qui va se passer là? Ça va être moche? Bah non, c'est juste que la Normandie va être duc de Normandie, quoi, c'est tout. Ouais, mais l'Angleterre va être Angleterre-Norvège, non? Oui, ouais. Ah. Après, ça va se remettre en Danelaw. Ah, bon, a priori, j'ai essayé de courtiser et de faire preuve de galanterie, ça n'a pas plu à ma femme. Très bien, très bien, très bien. Mauvaise approche. Il remonte. Allez. Encore 9 du quart. À 2,7 par mois. Pâté, duc. Duc. Et là. Kaiser m'a mis un gros vent. Je peux pas vous recevoir. Ah ouais. Occupé. Ce truc tout moche en Italie là. Arezzo là, bah, c'est moche hein. C'est à Toscane mais. Je sais pas pourquoi c'est indépendant. Ah, Livia s'est créé un royaume. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Mais il a pas d'homme, il a pas de femme, pas d'héritier, pas de parents, pas de grands-parents. Hein. Il est, tu vois, il est débarqué du ciel quoi. On dirait un aventurier NFT, un aventurier qui se ramène. Ah ouais, non, mais il est né nulle part. Quoi. Famille 0, relation 0. Il a plus de vassaux que de famille. La duchesse le déteste, à mon avis, c'est passé un truc. Bah, il s'est passé et que. Genre, c'est les paysans. Et, ouais, mais normalement, ils ont le paysan là, mais. Ah, mais c'est bizarre, hein. Déclarer la guerre au roi William. Par contre, je viens de me rendre compte que moi, je serais en première ligne sur la peste noire. Pourquoi? T'es où? En Géorgie, là-bas? Géorgie, oui, à mon avis. Moi, je te trouve surtout en première ligne contre les Celtics. Après. Oui, mais c'est un détail. Ça me fait plus peur que la peste noire, là, dans l'immédiat. Oui, ma femme devient mon amante. J'ai séduit la duchesse Melisenda. La fiancée. Je suis un archon. Elle est devenue aveugle. Okay. T'es devenu quoi? Je suis un archon. Ah oui, archonaté de Sardaigne. Je sais pas ce que c'est, mais. Je pense que. On me cherche. Oh, il est con! Oh le con! Au moins, t'as plus de problème de succession, Popov, avec tes 6 fils là, c'est bon. Ah bah, y'a un qui contrôlera les autres. Joue avec les écouteurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Allez, alors on va tous les annexer là. Vas-y.
propose-leur gentiment. Je reviens tout de suite. Aventurière qui me rapporte l'étendard royal de l'empire sassanide déchu. Un bah dis donc. De fierté pour les héritiers de l'empire de Perse. Et t'as pas peur que Seljouki du coup il déclare la guerre pour le récupérer ou... C'est pas des pertes, ça va. Ah bah je sais pas hein. Il semble que là le bleu est un peu. Pourquoi c'est Rai d'ailleurs la capitale? Ouais. Sûrement. Et oh. Mais par contre, c'est bizarre parce que ça donne des bonus. Ils sont grisés. Mais ouais, ils sont grisés. À mon avis, c'est pas perse quoi. Exactement. Putain, c'est dommage hein, parce que la bannière là, elle est badass. Hein. Dommage. Après, je pourrais la donner au Seljouki en hommage. Bien sûr. Bizarre, bizarre. Ah. Le duché de Mercy, ça a grandi en Écosse. Ah ouais, c'est quoi comme... C'est des chevaliers qui sont forts en montagne. Oh, ah ouais. Ah oui, parce que du coup... Ouais. Ah. Ouais, c'est fort. Ah ouais, loup du Caucase. J'ai jamais vu, je crois que c'est nouveau, hein, parce que j'avais déjà joué à la Géorgie, il y avait pas eu ça. C'est pas perso, moi je l'avais déjà vu. C'est de toute façon, c'est une tradition culturelle, mais qui est géographique, comme Bizant, quoi. Bizance. C'est partie des unités pétées du jeu à apprendre. Avec les cataphractes. Avec les éléphants de guerre, ce genre de truc, des mecs qui optimisent pour avoir l'armée de fou. Je vois. La chasse du comte OL. Vas-y, j'y vais, c'est parti. On part à la chasse. Ah, et par contre, le prix pour les recruter. C'est combien? 250. Ça va. C'est cher, mais ça va. Oui. Alors, belle prise en perspective. On va chasser le cerf. De chance de réussir. Ce n'est pas une façon pour un comte de se comporter. Ainsi soit-il. Quelle que soit l'activité, en tout cas, mon personnage se fait chier. Bon, qu'est-ce qu'elle est belle cette épée. On me fier quand est-ce qu'on se casse. Allez, je commence à révoquer les titres des musulmans là. J'ai pas réussi à prendre une ville à 0,1 près. Comment ça t'as pas réussi? Bah le mec est arrivé, j'étais à 249,9 sur le coup. Bah non j'ai pas fui. C'est pas ma guerre, mais bon, ah, j'aurais pu prendre une ville quoi. C'est pas ma guerre. Oh, moins 96%. Aïe 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 aïe. L'Angleterre. Qui va devenir le petit duc de Normandie.
fait n'importe quoi. À chaque fois, il se barre alors qu'on aurait pu écraser l'autre. Merde, toi. Ah, moins 100%, ça y est. Il y a un problème là. Ouais. J'ai fait la guerre à mon musulman pour révoquer. Ah, c'est bon, en fait, c'est juste le temple en fait. Parce que j'ai chopé un temple et je pouvais pas le donner à mon patriarche. Mais... Ça met juste du temps. Et... Ouais, ça. C'est à moins 100%, mais j'ai l'impression que l'arme met du temps à se résoudre. Allez, ça y est. Le duc de Normandie est indépendant. Je pourrais lui déclarer la guerre, du coup. J'avoue, ça fait louche, par contre. C'est pas indépendant. C'est trop bizarre. Ouais, vu que de jure. De jure, c'est peut-être pas l'enterre, du coup. Ça fait des chocs à pique. Il s'est fait jarter. Ça reste une opportunité pour la Grande-Bretagne de fonder son royaume. Et je pense pas, parce que là, il va regagner en armée. Beaucoup plus vite que moi. Je suis allé à qui ? Négocier une alliance par contre. Ah mais maintenant c'est dans mon pays donc ça marchera pas. Frère peut se marier. Bah marie-toi. Hein. Hop. Je me dis que c'est équilibré si j'attaque Liam. J'ai l'impression qu'il se trompe. Ah oui, Liam, il l'a tué, donc il appelle des mercenaires quand il veut. C'est vers chez toi la maladie là ? Ah oui, oh! C'est juste à la frontière et ça bloque, hein! En marque. Ouais, mais ça a l'air d'être. Tranquille, zéro mort. Fils qui est intelligent. Alors, je peux. Il s'appelle de base, il s'appelle Connu Allon. Vu que c'est très moche. Voilà, Putrael. Bah oui, c'est encore plus beau. Non mais. Conmael, voilà, Conmael, c'est bien. À voter. L'armée n'est toujours pas une pouponnière. Arrêtez de m'envoyer vos gamins. Et du coup, intérêt pour l'éducation martiale. Je vais l'éduquer moi-même. Ah bah.
bien... Il augmente bien plus vite son armée que moi, hein, le pauvre petit duc là. Oh, il a deux alliés maintenant. Ah oui, mais ça, je m'en fous. Je m'en fouche. C'est pas ça, il peut pas... Pas se battre contre moi. Ah mais c'est tellement fort ma légende. C'est quoi comme légende? Les héritiers de David. Ah oui, tu vois. Modificateur, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est bien. Et c'est très proche de celle d'Arthur. Hein. Bah, c'est d'ailleurs la même chose que Arthur Pendragon. Non, ils ont juste changé le nom. Non. Ah bah. Non. Non. Respectons-les. Ouais, moi je veux être les héritiers Vercingétorix. Quand j'aurai mon double duché Bretagne-Normandie enfin réunifié. Comme ça, il n'y a plus de problème avec le Mont-Saint-Michel. Oui, oui, bah, là je peux pas hein, pour l'instant. Il est bientôt. Il va encore gagner 200 hommes à peu près. Ouais. L'Angleterre a 1200 hommes. Hein. Et elle est en deux guerres. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, puis ah oui, ça s'est séparé là où il y a eu mort là. Ah oui, il est mort, Harald. Effectivement. Du coup. Je serai le duc William II de le bâtard de Normandie. C'est clair que je ferai jouer mon titre de bâtard. Je profiterai de ma revendication sur le royaume d'Angleterre et je rattaquerai. Ou alors, s'il veut, il me la donne sa revendication. Moi, je m'en occupe. Attends, mais il a pas l'Angleterre? Ah, il paye ta capitale d'Angleterre. Ouais, ouais, bah dis donc, c'est dans la neige, quoi. La capitale de l'Angleterre, elle est ici. Voilà. Bien situé, quoi. Impeccable. Est-ce que c'est pas un signe du destin pour la Bretagne? Pour les Cornouailles. Pour le royaume de Cornouailles. Il faut que je, quand même que je fasse des revendications. C'est quoi le duché? C'est juste ça et ça. Ok. Ma femme est encore enceinte. Fabriquer une petite revendication comptable là. C'est vrai. C'est sûr. Sa, la duchesse Mélisenda. Ah, une fille. Une fille.
La France n'a que 1100 hommes. C'est beau. Dépensier, blessé, irritable. À 22 ans, impeccable. C'est moche ces morceaux de Norvège là en Angleterre encore. Ah merde. Le mari de ma fille est mort. C'est grave. Ah non. Ouais, par contre elle a eu le temps de lui donner une petite figée. Elle est héritière de la grande principauté de Peyrieslav. Ah oui. Toute la Sardaigne est occupée. Non. Normandie, 2500 hommes là. C'est un festin meurtrier. Oh! Coquinou. C'est quoi un festin meurtrier? Ben. T'as vu Game of Thrones? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais elle est pas dans la liste des décisions, elle est où? Non, mais tu peux pas t'en prester. Choisis tuer comme volonté. Ah. Encore un fils. Ah bon, lui il est pas un. Papa avec ses revendications, mais à l'autre bout du Saint-Empire, c'est pas super intéressant quoi. Il va s'appeler Corentin, voilà. Et il va prendre l'érudition. Et il sera moine. Peut-être. La succession de Bretagne est assurée. Que faire maintenant? C'est la révolte en Angleterre. Les Seljoukides veulent se diviser. Les Seljoukides. À 18 000 hommes. Ouais, hein. Il a une revendication. Le Bellica de Malatia. Garder de la thune, des fois que ma revendication soit bientôt oh là, finie. Hein. L'Angleterre, là. T'as vu? Je suis en train de faire une revendication sur le Devon. Fonder mon futur grand royaume de Cornouailles.
prend un deuxième titre de duc de toute façon pour fonder le royaume. Oui, il y a un morceau de Normandie en plus. Pourquoi il y a un vieux morceau? Oh, compagnie agaçante, bonjour. Impeccable. Il s'en passe des choses dans les spas en Bretagne. Complot d'assassinat. Il va me le payer. J'ai pas envie de dépenser 150 de prestige quand même. Ça fait un peu beaucoup. Ah oui, il l'a pris direct. Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est peut-être un titre qu'il a eu le temps de gérer le temps qu'il était roi. Ah, je suis malade. C'est encore pire, incroyable. Bien fait de prendre un médecin compétent. Ah, c'est moche du coup cette tache bleue là. Il meurt quand William là? Et bâtard légitimé. Ah, stratège. Vrai stratège. Ils ont des titres en Angleterre, c'est fini, t'as remarqué. Le comte du Maine. Ah oui. Héritier de... quoi? Duché d'Anjou? Ouais. Bon non mais... mais où va-t-on quoi? Ah ouais! Oh là 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 là, ça va être un bazar! Nouveau maître espion! Oups, pardon mon chaton! Il est où? Je vais mettre mon chevalier, hein, maître espion, hein! Roi Philippe de France, il a 400 hommes. Oh! Oh! Je peux faire la guerre au roi de France pour le Champagne Touraine Sancerre. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est à côté de la Bretagne. C'est ça qui est bien. Ça me dérange un peu, mais bon. Putain, j'hésite du coup. Il est en guerre contre qui? J'ai pas compris ça. La révolte catholique occitane. Il est allié au duc de Provence et au roi de Navarre. 38 soldats, le roi de Navarre. 393, le duché de Provence. C'est risqué quand même si j'attaque la France. Bah, c'est la France. Ah oui, quoi. J'avais pas vu ces alliances. Oui, j'avais pas vu ces alliances. Ah bah attends, oui. Oui, mais. Mais il a pas d'homme. Ouais. Bah, c'est risqué, mais est-ce que. Est-ce qu'un Breton ne prend pas de risque? Est-ce que j'attaque? Pour la Champagne? Pour faire une petite tâche bretonne de l'autre côté là-bas. En sachant que j'ai des alliés. Enfin, j'ai un allié. Et 1000 hommes. Ouais, mais il a bientôt fini sa guerre. J'ai peur que. Qu'est-ce qui va. Ah oui, en fait, ça va se scinder en deux, non? Ah non. Ah si, c'est ça. Les comtés rebelles deviennent un pays indépendant avec le duc Odon à sa tête. Préparez-vous. L'Aquitaine et Toulouse vont faire sécession. Parle du coup le duc de Normandie a pris un truc en Angleterre. Ouais. Il a revu ses ambitions avec ça. Il y a plus que 160.
train de Warzone. Et il, il est dans une nouvelle guerre. Ah, il aide le roi de Navarre. Ok. Autant dire que je suis quand même plutôt tranquille s'il attaque quand même. Ah oui, la Aquitaine indépendante. Montaigu. Duché de Champagne. Bon bah allez, hein, je déclare la guerre. En avant. Je vois les levées du roi de France là-bas là. Fonce dessus. Ouais, il y a quand même une qualité d'armée qui est bien meilleure que la mienne. De la Bretagne. Allié danois qui arrive. Ah oui, pas petite ambition là dans la demande de croquet. De quoi? Ah, pour la guerre en France. Ah bah oui. Je fais pas la guerre pour rien. T'as demandé Vermandois ou un truc comme ça, non? Non, je sais pas. J'avais ça comme choix. Chez Champagne, si on se demande Vermandois, ça va. Je sais pas d'où ça vient. Non, je suis mort, je suis mort! Ah. Aïe 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 aïe. Le ah, roi non, de Géorgie. Une start de malade! Je suis pas marié, oh là. Oh, il est pas marié, oh là là. Oh là là. Aïe, oh, aïe, aïe, aïe. Avec une génie aveugle là. T'as toujours pas fait d'enfant, ouais, elle a que 13 ans. Hein. Eh oui. T'as le temps là. T'as que 26 ans, c'est bon. Oui. Par contre, t'as une légitimité claquée. Hein. Ce titre, quoi. Ouais, ou qu'ils prennent tout le reste. J'avoue que putain, moi j'ai légitimité, comment ça se fait, what the fuck? Plaisir de décorer un peu ta cour parce que tu peux marquer les propres. C'est un peu bouseux quoi. C'est un peu vide quoi. Les gens se mettent près des murs pour faire un genre en remplissant la salle mais. Je profite de cet intermède pour me chercher à boire, mais vous pouvez relancer dès que c'est bon. Moi je fais ma guerre, pourquoi?
Allez, lâche tes titres. Ouais, casse les couilles. La réachète en entre guillemets. Ah oui, putain, mon pognon. Pognon, pognon. Ouais. Ouais, ouais. Coûte cher. Hein. Le roi Odon d'Aquitaine, en tout cas. Quel BG, quoi. N'en regarde pas, c'est sûr. Attends, mais... Tu vas te faire du mal. Je viens inspecter la Géorgie, j'ai l'impression qu'il se passe un truc incroyable. 9 titres, hein, c'est beaucoup. Non, j'ai 5 titres. Ah oui, pardon, excuse-moi. Chier et un royaume. Bien joué. Négocier des alliances... sa mère, hein. Vache. T'as mis ta capitale à Tbilissi ? Ouais, j'étais en train de regarder moi aussi. Ouais, je... mais à la plus long terme, je vais la mettre là-bas. Mais là... Ouais, c'est moins dangereux de la mettre de... un oui, peu loin oui. Des Seljoukides. C'est clair. Bah, je vais relâcher la pause, hein. Allez. Allez, vas-y. Reprenons la guerre. La guerre ! Guerre ! N'oublie pas de sauvegarder aussi, hein. Si jamais ça... ça meurt. Ouais, du coup, il se passe rien, quoi. Puis, c'est l'intendant. Alors, on va améliorer nos relations avec les vassaux, hein. Ah bah faux hein. Oh je pense me font juste celui-là, je reconnais. 429 hommes. Waouh. Waouh hein. Ah ouais mais ils sont 4 étoiles hein. Oh il va faire un siège, je vais faire un. Fait dodo. Planifie l'assassinat de son cousin Baudin, de mon cousin Baudin. Je le connais pas, je m'en fous. Je sens que le viking, il va faire son siège, et il va vouloir aller tabasser le roi de France. Oh, feu géorgienne, c'est par chez toi ça. Siège de Rennes. Que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il fait? On va se regrouper avec une armée.
C'est maintenant que je vois que c'est censé. Normalement, je l'intercepte. Ah non, je l'intercepte plus. Ah. Ok. Il a plus d'armes que moi. Pas plus d'armes que moi, mais. Wouah, petit blob. De ça, c'est qui ça? Putain, c'est ma femme. Ah ouais. C'est ma femme. J'ai un appel, on peut mettre une faute juste. Ouais, bien sûr. Ah, c'est plus la même là. Parce que je pense que du coup je vais annuler mon attaque de la France. Hein. Ah bon ? Ah, il y a quelqu'un qui a quelqu'un qui a hérité. Et c'est pas la même armée du coup. Plus blanche ? Je pense. Alors, Marc ? Non. Je vais voir, elle a quoi comme allié ? Allié au duc William le bâtard de Normandie. Très bien. Abort the mission. Hop là. Bon, ça te fait une trêve pendant un petit moment, non? Peut-être pas. Ah, quoi que la plus grande, peut-être pas. Pas sûr, hein, moi je vois pas de trêve. Bon, moi après, du coup, j'ai des prétentions, mais elle a 2700 hommes. Ah, mais oui, c'est la femme. Oh non. C'est la femme de William le bâtard. C'est un enfer. Ouais. C'est... Merde. Ah oui, William le bâtard s'est marié à la reine de France. Ouais, d'accord. Les Boudet Witch de. Mais elles sortent de Flamand. Ah ouais, Vlanderen. Ouais, elle est hollandaise. Catholique hollandaise. Formidable. Elle est de la France. Mais c'est sa femme qui a revendiqué le titre ou qui a hérité hein. Roi de France. Techniquement, il est roi de France. C'est plus l'Angleterre. L'histoire a mal tourné. L'Angleterre. Bon, c'est moi, par contre, c'est bizarre. Maintenant que je suis là et que j'ai blobé, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Je suis héritier en droite ligne du duché du Saché, mais il est à perpète. La bohème entre nous. C'est quoi cette petite tache de merde au milieu du Saint-Empire hein? Petite tache de merde au milieu du Saint-Empire, hein? Quelle tache? Le comté de Herbache hein? Oui. Donc, voilà. Et de folie, elle a voulu devenir indépendante. Petit oui quoi. Juste à côté de la capitale en plus. Hein? Juste oui. À côté de... Ah, je viens de découvrir un truc. Il y avait un château à côté de ma capitale. Il y avait un baron dessus, mais moi je tape le château. Sauf que cette baronnie a un bâtiment spécial qui filtre du cas. Ah ouais? Ah oui, des installations minières. Ah bah oui, des mines. Oui, mais c'est une mine ça, oui. Oui, mais c'est spécial, tu vois. Oui, mais tu peux. Tu voudrais déplacer ta capitale là pour. Ah non, j'ai viré le baron, ça y est, c'est à moi. Ah!
Oui, mais après, la Sardaigne, c'est connu pour cette mine-là, justement. Ça en fait un bon départ. Ou une belle prise, en tout cas, assez simple. Tu regardes bien sur la carte économie, le bâtiment apparaît, t'as aussi les mines à Göttingen. Ou... T'as un bonus d'efficacité des armes de siège stationnées apparemment. Non, mais j'avais pas vu cette carte qui veut des trucs. Hein. T'as tous les petits bâtiments avec des bonus qui apparaissent. Ouais, bon, je vais regarder ça aussi pendant que. Je vais faire tes courses. Tu vas où pour trouver des bâtiments spéciaux déjà ? Carte économique. Ah oui, c'est économique. Attends, putain. Ah, du coup, je suis. Où es-tu ? Saint-Empire Vienne, je pars là. Alors, je peux construire une université, mais il y a un grand temple à côté. Tu pourrais pas construire. Parce que. Ouais, ça me concerne pas. Il est grisé. Parfait. Il y a des mines de Kremnica pas très loin. Enfin, pas très loin, c'est relatif. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose autour strictement direct. Mais ah, en Bohème, il y a les installations minières de Kutnaora. Oui, c'est pour ça que la Bohème aussi, c'est très bien comme royaume pour démarrer. C'était aussi. Bon, bah, peut-être que j'essaie de développer la Bohème. Mais là, pour l'instant, ça me propose la Carinthie. Puis je meurs pas avant, j'ai deux fils, c'est un problème. C'est que... Le deuxième, le premier, les deux sont plus rares. Mais lesbienne, on a quand même fait des enfants. Voir avant tout, c'est beau. Par contre, dans les chevaliers, 55 gold pour un chevalier, non, mais cher. 25, c'est déjà un peu mieux. Quoi? Quand je stresse parce que je recrute un chevalier? Sans déconner. C'est pas du tout trop ça. J'ai une faction contre moi là, c'est pas. Exigeant le titre bûcher. C'est mort. Ah merde, j'avais pas vu, vu que j'ai deux duchés. Les deux duchés vont se séparer. Ah ouais, ça m'arrange pas ça. Ça peut être deux héritiers, oui. Oui. Je peux pas en foutre. Putain, bon, je vais essayer de forcer les maîtres à l'armée, il y a peut-être un qui va mourir. Je suis mal nourri, putain. Les deux duchés vont se séparer, tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait pour rien. Ah non. Ah, fait chier. Vu que je suis appliqué 144 de stress et je veux faire planification rigoureuse de la capitale. Ah ouais. Ça fait cher. Si je veux prendre du poids, c'est 25% de stress en plus. Parce que je suis mal nourri. Si je veux m'isoler, faire 150 de prestige, allez. Des bonnes décisions à prendre. Oh la vache. Je sens que la joie d'avoir bougé à côté de moi. Je suis mal nourri, c'est ça. Je suis obligé de manger quoi. Était dans la... Ah oui, mais ça c'est pour les orthodoxes. Ah, Antioche. Bon, qu'est-ce qu'il y a vers chez Jarek en bâtiments spéciaux? Il y a rien. Bon, c'est tout gris. Après lui, en tant qu'orthodoxe, il devrait pouvoir le faire, je pense. Je suis pas sûr. Bon alors, elle a fait combien de morts là, la variole là? 4 morts. Enfin, la rougeole, pardon. Ça va, du coup, c'est bien passé.
What the fuck, les montagnes arc-en-ciel? Ouais. En Turquie, là? Enfin, en Turquie, non, c'est loin de la Turquie, c'est plutôt en Azérie, non? Azerbaïdjan? Tabriz, Ardabil. Impôt des propriétés, plus 10%, croissance, développement, plus 20%, c'est pas si mal. Hein. Le château d'Alamut, pas très loin. Niveau de fortification, plus 4. De Marlou, tombe de Bethsabée. Oh, désolé. Bagdad, il y a quoi? Il y a quoi, Bagdad? Ah, bah quand même! Désolé, c'est pour ça, flash. Tu peux. Ouais. Je n'ai plus de temps. Accablé par le stress. C'est vrai que pendant que t'étais pas là, j'ai découvert que j'avais une mine d'or sur une... Oui, il y a une mine d'or en sortant de vie. Ouais, mais il fallait que je la récupère, je devirais le baron. Et l'homme. Oh non, ma sœur a chopé la rougeole, pitié. Pitié. Ah oui, sympa. Ouais, sœur, princesse Martha. Ah, j'avais pas vu la Moldavie. Ou mais... Elle a l'air d'aller là. Oh, ça a l'air d'aller de ouf là. Khanat de Moldavie. Oh. Du coup j'ai annulé ma guerre contre la France. Putain, t'as la rougeole. Bah en vrai tu. T'as la rougeole? C'est vrai? Voyons voir. Ça va. Ah. Comme de la maladie réduite déjà. Et moi, j'ai la joie de vous annoncer la naissance de la grippe de Odon. Voilà. Consomption de une consomption mineure. Je suis malade. C'est nickel. Oui. Tout à fait. Ah, je ne suis plus malade. Espion tombe malade. Surtout un chevalier de qualité pour l'époque. Parfumé. Ouais, vas-y. Ah bah, tu perds. Ah non. Perdais, j'ai le 5% de chance de devenir très aveugle. Ah. J'ai cru que j'allais devenir aveugle, c'est ça. Et je suis immunisé à la rougeole. Voilà. Ah, bravo. Bravo. Putain, c'est bon, tout le monde a survécu. C'est bon. Ça, c'est parce qu'on est les héritiers de David. Du coup, t'as vu. C'est sûrement ça. Je le fais ça. Bonne question. Il faut vraiment que ma fiancée soit majeure et qu'on fasse le stuff. Qu'on sexualise. Voilà. Allez hop, le trétorsionnaire, hein, qui sait quand même faire chier. Ah oui, tu prends le trétorsionnaire, ton mec il prend une tête vénère, d'accord. Aïe aïe aïe. L'épidémie en Bretagne. 13 morts. Les événements avec les gosses qui gueulent, moi à chaque fois je sursaute, je me dis putain c'est mon fils. Ah. Mais attends, je comprends pas, juste une question, le niveau de cour là, la magnificence de la cour, le niveau vert, c'est le niveau de base, on est d'accord? J'ai pas accès à la cour, là, je suis pas roi. Mais en fait, t'as une barre, t'as ce qui est attendu et ce que t'as toi. Puis, maintenant, posséder. Ça a l'air bien en Bretagne. Posséder malade. Posséder. Oh, c'est. Mais c'est qu'on est bien contaminé en Bretagne. C'était un peu rouge. Ah, la petite consomption là. Il y a des 20 morts.
dedans. Ouais, regarde, mon médecin est mort de consomption. Ah, ah bah, super. C'est pas la bonne personne qui fait mais... J'en ai théoriquement, vaut mieux que le médecin plutôt que c'est l'enfant, tu vois. C'est vrai. Ah, oui, oui. Je vais c'est David Lou, il a son échelle. Hop. Ah oui, c'est vrai que le grand tournoi, c'est moi. Ah oui, il faut que je libère les prisonniers que j'ai aussi. Je peux faire un grand tournoi chez moi. Ah, je les connais, les tapis exotiques. Allez, ça dégage. On essaie de t'assassiner. J'ai l'impression que, qu'on m'en veut. T'as pas la cote, mais tu veux. Eh ouais. T'as vu pourquoi j'ai annulé ma guerre, Jarek? Ah, parce que... Non, parce que du coup, c'est la femme de William le bâtard qui a récupéré la France. Oh, t'as... Oh, l'angoisse. Ah, mais ça veut dire que... Bah, l'héritier va... Oh, l'angoisse. Il va faire France-Normandie, quoi. Après, la France, elle est... Moi, il n'y a pas d'Aquitaine et Toulouse, quoi, mais quand même. Ah, ça aurait été Adrien, ça serait pas passé comme ça. Eh ouais, que veux-tu? Ça m'a bien fait rire. Ça y est, il est mort. Hein. Ah, bah, il y a en Bretagne, en tout cas, on s'est pas espionné. Hein. Tout le monde est claqué au sol. Il est mou. Frère est mourant. Sœur, hein. C'est pas ouf. Hein. Elle sent vacances de cette épidémie. Là. 36 morts. Tac, tac. Mesure défensive. Oh. J'ai la consomption. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, impeccable. C'est ça qu'on aime, on valide. Et tu feras gaffe, ton deuxième fils là aussi. Ça me gêne pas, c'est le deuxième. Ah, c'est le premier aussi. Hein. Ça me gêne si c'est le premier. Ah oui. Putain de merde. Ça aurait été la fin, mais ils de rêve. Ah, les trois enfants, ils ont la consomption. Les trois. Ah oui. Chouette. Mais qui va mourir en premier? Allez, prenez vos paris. Ah bah c'est moi. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Eh bah on valide. Oh. Voilà, la mort du duc Conan de Bretagne. Donc maintenant tu joues ton enfant de 4 ans qui a la consomption. Bah écoute, bonne game. Hein. Même la régente elle est touchée. Je crois qu'elle est un peu violente la consomption, non? Oh bon. Elle a fait 40 morts quand même en Bretagne, c'est pas si mal pour en tant que mineur. Toute ma cour, hein, du coup. 40 morts sur 50, quoi. Sur 50 personnages, quoi. Bravo. Génial. Allez, eh ben, c'est parti. Hein. Ah là, t'as 4 ans, hein. On sent que ça va être dynamique pendant quelques années, quoi. Donc là, les 12 prochaines années vont être palpitantes. Profites-en pour regarder la carte des bâtiments. Ouais, bah c'est vrai que j'ai... Ouais. Dommage, hein. Je rigole, mais mon terrain va se diviser dès que je vais crever. Et William, lui, il peut pas prendre la consomption un peu, là. France est en guerre. Une guerre de libération. Oh. Ouais. Après, à mon avis, vu l'allié, je pense que... Ah bon? Comment c'est possible? Ah, je sais pas. Il a pris l'arrache. Il a fait quelque chose de pas bien. Ah, mais excommunié par le patriarche. Oui, oui, papa. D'accord. Le pape, je pense qu'il s'en bat les couilles. Oh, un petit fils. Allez, 15 ans. Allez! Allez, ma petite génie, là. Ferme les yeux, de toute façon, t'es aveugle, ça va bien se planter. T'inquiète pas, le roi Georges, il a une toute petite bite.
ça va passer tranquillou. Le roi Géorgie. Géorgie 2 de Géorgie. Attends, on va faire des noms un peu plus originaux. Non, mais en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que la Géorgie vient du prénom. En fait, qui s'appelait Géorgie. Non, jamais elle disparaît la consomption là, parce que. Parce que voilà quoi. Bah, tu fais comme moi, solution drastique. Non, non. Ah, t'as arraché la tête. L'épidémie a commencé le 11 mars 1077. Ah, bon, ça fait un an quoi. Ouais. Ça fait mal quoi. J'ai l'impression que Code Mael. Ah bah du coup forcément j'ai de la rébellion un peu là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il a 830 hommes. Normalement ça devrait pas me poser de problème. Enceinte encore, formidable. Alors j'ai 90% de chance de découvrir la vérité. Je suis en intrigue, et mais ça marche jamais. Jamais si ta femme a fait quelque chose qu'elle devrait pas faire. Je sais pas. Alors, si c'est encore un garçon, ça va être chiant. À quel âge, hein? 42 ans. Oh, la reine de France, là, elle se fait éclataxe. Hein. Éclataxe. Ah, oui. Hein. Attends, elle a 400 hommes. Ouais, mais oui, à la base, elle en avait 1600, quoi. Et William, il avait 2100 hommes. Bien faire baisser le niveau de la couronne. J'ai plus ma revendication contre le Devon. Et non, je l'ai plus, putain. Non, mais faut qu'elle se calme, la Karinki, là. Elle a de plus en plus d'hommes, là. C'est ta voisine. Elle a 1400, elle a 3000. Hein. C'est ta voisine, là. Elle a 800 hommes de mercenaires. Toi, Devon. Ouais, 40. Je vais l'attaquer à un moment donné. 40. Elle a 3000 hommes. Ouais, presque. Dont 800 de mercenaires. Ah oui, tu l'as vu. Effectivement. Non, mais ma légitimité, attends, c'est 4 sur 5. Oh, oui, t'es un roi. T'es pas loin, hein. T'es à 2. Hein. À Seljukid qui me déteste d'ailleurs. Étonnant. Bah avant il m'a eu bien le précédent. Donner ta tapisserie là. Non. On va attendre 2 ans de consomption hein, pour mon fils. Comme ça 2 ans. Bientôt 2 ans d'épidémie. Grippe de Odon, quoi. 75 morts. Pourquoi le comté d'Albret, il est indépendant? Il a acquis l'indépendance? Waouh! Et puis 2600 hommes maintenant, le duc d'Aquitaine. Ça rigole zéro. Ah oh oui, je peux me marier, oui! Voilà. Incroyable! Allez hop! C'est. Il est pire, c'est parti! Elle est homosexuelle! C'est pas grave ça! T'en fous! Elle est aveugle. Ah non, elle est asexuelle. Ah oui, elle est asexuelle. Ah, c'est plus dramatique là. Ah, j'ai très rarement vu ça. Oh, j'ai envie de scanner, putain. Ah, la génie qui veut pas de cul, quoi. Ah merde. Du coup, t'as pas le choix séduire ou quoi que ce soit. Non. Ouais, mais c'est bon, elle va.
le devoir avant tout. Ah oui, au bout d'un moment, ça va, quoi, genre... Pendant ce temps, en Bretagne... Une fille zozoteuse. Ben, on va l'appeler Bridide. C'est la consomption hein, en Bretagne, en tout cas. Et je crois que la consomption, c'est un truc qui se perd pas. Enfin, tu vois, c'est pas une maladie genre comme la grippe qui se disparaît après. C'est genre en fait. Ah reste, quoi. Tu vois ce que ah je ah ok. Nal. Comme la tuberculose, quoi, tu vois, genre ça reste. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le comte Alan II? C'est pas lui. Je regarde du coup les lignées. Ah, il veut mon titre. Bah, par tes deux enfants, ah après c'est plus ta maison. Je suis mort. Aïe aïe aïe. Le mec intelligent est mort, il rejoint un mec malade aussi. Ça va s'enchaîner vite. C'est le bassin qui va éviter, ça sent le drame. Bon, bon. Ah là, si tu pars, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ah bon? Ah là, le bassin qui va être fini. C'est la même. C'est la même dynastie. Ah, ah oui, c'est une maison. Ah oui, c'est bon. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Oui et non, quoi. Bah oui, oui. Mais après tu fais gaffe parce qu'il a la consomption aussi, hein. Enchaînement quoi. Je meurs. Et là en plus le pire c'est que tout à l'heure il avait 4 ans maintenant. Il a encore 4 ans quoi. Après tu récupères un adulte qui a 19 ans. Ouais, et qui a aussi la consomption quoi. Ouais. Bon bah... Non, sa consomption ça me fait pas des cheveux. Incroyable. Bon, bon, allez. Je suis pas sûr qu'il y ait une cause à effet, hein, mais... Ah, je sais pas. On a perdu ton petit intelligent, quoi. C'est un peu perdu mon petit intelligent. Mort de la consomption, à 5 ans. RIP, petit Canmael, parti trop tôt. Par contre, la régente, elle tient bien le coup, quoi. Elle meurt pas. Ben, c'est où, ça? En Bohème. Après, elle est en mauvaise santé, quand même. Effectivement, elle est toujours là. Et la Sardaigne, comment ça se passe? Comment? La Sardaigne, comment ça se passe? J'ai tout récupéré. Bah, toute l'île lui appartient, il a plus de vassaux. Ah oui, oui, mais... Faut attaquer la Corse, maintenant. Non, bah, en fait, toujours le souci de la Corse, c'est... C'est que c'est l'Empire. C'est vrai. Bon, je vais récupérer... une petite armée, en plus. Super. Tant de sacrifices pour 100 hommes. Et encore, c'est pas fini. Tac 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 là, c'est sérieux là? Et hop là, un prisonnier qui a la rougeole, je l'exécute hein. C'est bon, toi. La rougeole qui se déclare dans mes prisons quoi. S'il vous plaît, éliminez-moi ça. Oh, ma mère elle a consomption et maladie. Oh là là là. Incroyable. C'est pas très sain, hein. On irait pas. Est-ce que la partie on d'avant était pas un peu mieux? On y ressort avec un cercueil, quoi. Pas grave, hein. Du coup, t'étais mort à 5 ans.
la main vraiment asexuelle ou pas là. Alors, manipulateur et bon. Mais c'est nul. Pourquoi j'ai ça comme mais c'est pas ça que je veux. Retirer la distinction. Ah. Rétablir la distinction. Merci. Ouf. Ah, au passage, vu que j'ai changé de personnage, j'avais plus la même distinction qui était établie. C'est un peu bizarre. Alors, le feu du Kaiser Heinrich, c'est pas mal aussi. Alors, le feu du Kaiser. Ah, c'est ici là. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ah non, ça c'est la reine Mathilde. Kaiser Heinrich. 11 décès, ok. 16 décès. Ouais. Ouais, puis la rougeole, ça reste pas. Ouais. Bon, j'ai une revendication sur les cornouailles. Qu'est-ce qu'il dit le roi d'Angleterre hein le... Ah, la première plainte. Félicitations. Quoi, sexuel, hein, c'est bon. Ah, un petit... ah là, un petit viol, c'est bon. Oh bah d'accord. Hein. Alors, asexuel, si elle a pas envie de sexe, je vois pas comment elle aurait pu tomber enceinte autrement qu'en la forçant. Hein. Ah, elle peut faire un effort. Si elle est consentante bien sûr, ouais. Pour faire un effort. Bah non, mais. Si elle est consentante pour faire un effort, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bah enfin bon, ouais, ouais. Ah oui. Dire pour les pour bon l'époque quoi. C'est moins qu'en maintenant quoi. Ouais, ouais. Bah, il fait rien du tout le feu du Kaiser Heinrich là, il y a que 14 décès là. Décevant, décevant, le très décevant. Heinrich. Moi j'attendais une peste ou un truc comme ça. Oh, ma mère est soignée. Incroyable. Ah ouais, donc ça disparaît. Ok. D'accord. Il faudrait que ça disparaisse là maintenant du coup. Du coup et ça monte pas vite hein. J'ai une revendication sur la cornouaille par contre ça c'est bien. William le bâtard en Normandie. Il n'y a presque plus d'armée d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas le moment? Ça ressemble au moment en plus parce que... Moi je sens que le moment où tu vas déclarer la guerre, le duc Porentin Mapconnel, il va clamser. Moi je vois que dans les alliés à William le bâtard, il y a l'archon Torchitor de Sardaigne. Ah, c'est pas cool hein. Les Sardes là. Mais cet accord-là il était passé il y a longtemps. Ouais. Parce que là, j'avoue que les 600 hommes de William, j'ai bien envie d'attaquer quand même. J'ai pas beaucoup de sous. Hein. Je pourrais pas soutenir une guerre très longtemps. C'est menacé. Bon bah. Petite interruption dans ce programme. Là, la supériorité numérique. Ha ha ha!
Aïe aïe aïe. Il va regrouper ses deux armées. Du coup, je vais en chier quoi. Tant qu'à faire, autant faire le siège. Hein. Ouais. Oh my god, oh la partie. Putain de merde. Ah ben en plus c'est celui qui veut hériter Ouais ouais ouais. En vrai, laisse le gagner, non? Non, par principe non. Non non. Ah ouais, tu me diras si tu me laisses hériter que tu meurs pas, c'est la merde. Bah ouais. Il ne gagnera pas. Pas fait mort. Vas-y, continue. Ah, j'ai un chien. Ah putain, il a la variole, popo, c'est pour ça. Pour de la variole avant. Ouais, petite épidémie. Oh bah tranquille. Ah ouais, t'es dans une île et tout, tranquille, tu crois que ça va t'épargner, mais non. Non, non. C'est moche. Attends, je comprends pas, comment c'est que... Elle devait pas se diviser en plusieurs morceaux. Il y a, si. Il y a qu'un seul duché. Et moi, reste duc. Ça limite l'éclatement quoi, ça c'est juste qu'il a perdu les comptes dedans. C'est juste que j'ai toujours faire tout le taf. Ouais, ça va relativement vite. Oui mais avant de casser des culs, je vais attendre que l'épidémie passe. Parce qu'à tous les coups je vais te montrer que ça peut être quelqu'un d'autre qui va prendre. C'est vrai. J'ai guéri par variole, ouais. Taille décisive. Allez, allez les Bretons. Je suis devenu mal nourri. Ah, je perds la bataille quoi. Aïe 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 aïe. Et qui est aussi au seuil de la mort. T'as perdu mon règne. Ah, termine mon règne. Ah, je perds en légitimité quand je perds quoi. Okay. C'est pas le fait qu'il y ait communion qui fait qu'il donne des sous. Très bien. Ah, je sens que c'est la deuxième défaite qui arrive là. Il me fonce dessus. Solution, j'ai pas de sous et j'ai pas d'alliés. Ah,
pas la même partie qu'en Hispanie, là, je crois. Je suis mort. Paxo. Ah bah d'accord, bah, voilà. Ça règle ton problème. Par contre, il a santé mauvaise, hein. C'est pas possible. Il a la consomption, hein. Il a la consomption, hein. Bon, après, Bertha de Cornouailles, elle va bien. Super. Elle est pas malade. Elle est pas malade. Elle a juste 4 ans, quoi. Et c'est une fille. Incroyable. La game vraiment amazing. Oh là, ils sont tous nuls les Bretons en maréchal en plus. Ils sont tous un peu couillons, vive les Bretons. Autre, t'as une légitimité pour Gobain. Je suis pas marié, j'ai pas de fils. Ah. Marie-toi un médecin. Je vois que ça, hein. Pas autre chose, hein. Génie dispo. Bon, bah, ce sera vigoureux, hein. Ah, hop. Ouais. Je pense que les Bretons ils ont besoin de vigueur là. Tu vois. Et une lignée mortuaire là, je pense que pour ouvrir un cimetière juste avec sa famille quoi. Histoire, j'ai réunifié la Bretagne un peu. Bah, je l'ai capturé, tiens. Nickel. Et hop là, Claude. William est mort. J'ai plus la consomption. Ah bah voilà. J'ai perdu ma distinction dans l'histoire quoi. Ça me casse les. Voilà. Yesh. C'est nul ça. Perspicace, manipulateur vaurien, politique et brave quoi. On va t'avenir quoi. Chier quoi. Il y a eu beaucoup de morts de consomption. Hein. Ah. Ah, ça y est, j'ai enfin converti. Ah, j'ai quand même une sœur. De la maison de Cornouailles. C'était la maison Prida, ensuite Diffna, Brace, etc. etc. Oh, bah, finalement, maison Cornouailles, c'est quasiment une des plus vieilles. La dernière, c'est la maison Braganza, en Espagne. Incroyable. Ah oui, mais.
stationner les troupes peut-être. À Quimper, il y en a longtemps. Un médecin de la cour, hein, je pense que ce sera pas mal. Festin du comte Conan. Tu as une intrigue et que t'as le trait honnête. Formidable. Ah. Putain. Ça doit être sympa. Fabriquer zéro hameçon, quoi. Ah, j'ai pas vu, l'Empire byzantin est en guerre. Et ça danse là. Le mec qui se bat en Empire byzantin, il a le drapeau, c'est le même blason que la maison Cornouaille. Ah oui ouais. Ça, la maison Cornouaille, c'est quelque chose. Regarde la bataille, là, le signe, c'est le même. Quel plaisir d'être apprécié. À présent, je dois partir. Hop, hop, hop. Rentrons à Vannes. Au duc Robert, qui a 1200 hommes. Attends, mais le duc Robert... Il est plus allié à sa momo. Ah, il est mort. Oui, bah oui, ah, son fils. Robert, pardon. Que je croyais vous dire. Bon, c'est l'héritier du royaume de France. Moi. Quand même en profiter pour prendre avance, hein, je pense. Hein. Robert Courteuse. Il est mélancolique, son nom. Ouais, allez, vas-y, il est mélancolique. Attaquons. Pour le comté d'Avranches. J'ai que des commandes en claqué. Ah oui, j'ai que des commandes claquées. C'est moi qui prends la tête des armées, hein. C'est pas gagné. J'ai 7 prouesses de... Les sièges de 12 mois, quoi. J'ai pris la revendication pour tout le titre. C'est quoi ça? Une armée hostile, mais je suis pas en... que j'aille pas le titiller, quoi. Baronnie de Poula. C'est où Poula? Mariole d'Adrianos. Le feu du Basileus. Lol. Tranquillou. Je me sens que je viens de faire une connerie. Mais... Qu'est-ce que t'as fait? Mon mec a décidé de partir à l'aventure pour chercher un homme hébreu qui va prouver au monde que nous sommes bien les héritiers de David. Ok. Ah bien. Mais je sais pas.
le bois. J'ai un fils qui est robuste. Ce sera un guerrier. Ouais, j'ai plus sur titre, dommage. Ah, le nouveau Basileus a été excommunié. Le mec est peine arrivé au courant, il a rien fait, il se fait excommunier. Ça c'est parti, hein. Encore des guerres. Il y a un mec qui a 400 hommes qui vient faire une guerre, sans déconner. En même temps, il y a 900 hommes, hein, le type. Là, t'arrives, tu prends Constantinople, et puis voilà. Je rappelle juste que cette Seljoukide a 18 000 hommes, et qu'il n'attaque pas. Il n'a peut-être pas toutes ces informations. Ce serait nous, lui en sur le pantin, on aurait bien les fesses qui claqueraient avec une castagnette. 18 000 contre 900, tu sens que le mec, il va pas tarder à te latter la tronche. Il a 5 ans. Les gens, hein, ils peuvent prendre la décision. Oh, j'ai trouvé le tome, incroyable. Ah, c'est la Géorgie qui pourrait s'étendre un peu, quoi. Ouais, on verra quand j'aurai un arrêté. Ok. J'ai pas de flèche. Ah, je vois les troupes qui se promènent vers chez moi, ça. Il y a des Vartis. C'est vrai. Oh, il débarque, Cavan. Allez, fais ton siège là. Allez, le siège d'avance là. Allez. Oh, le siège, qu'est-ce qu'il est long. Ouais, c'est bon. Hop, clic droit. Tchic, tchic, tchic. Je peux rançonner. Je vais bien faire une arrêt là. Ouais. Je commence à dormir. Ça marche. Par contre, demain, je précise que moi, je suis pas là de 16h, ouais, de 16h à 19h à peu près. Pas de soucis, jamais. Ok, ok. Demain. Ah, la honte. Bah ouais, le fonctionnaire, il bosse des fois le week-end. La honte. Eh bien, on s'arrête là, puis bah, peut-être demain soir, je sais pas, ou dimanche. Ouais, bon, je serai là. Alors, dimanche, moi, je bosse, mais enfin, je bosse de 6h à 14h. Mais... Ah, oh, mais qu'est-ce que tu vois là? Oh le nul! Bah oui! Une bonne astreinte le dimanche à 300%, moi j'aimerais bien. Hein, mais... Bah ouais, ouais, c'est bien quoi. Ok. Moi non, moi j'ai que de la récup toute nulle. Eh oui. Bah c'est bon, le secondaire. Ouais, ouais. Ça marche. Eh ben on s'arrête là pour ce soir. Ciao, ciao! Eh bien, merci d'avoir regardé, puis bonne soirée, bonne nuit.